Hello guys, non pas c'est Chubit, moi c'est fondateur, créateur Belle Dollar HT, qui c'est une plateforme côté que m'a montré haïtien pareil moi, Chubit. Ou te mettre n'importe quoi dans le monde là, Brésil, Chili, Canada, États-Unis, en Europe, débousser haïtien. Ou qu'on parle créole, ou qu'on apprend Chubit avec moi. Tout fin que vient sur plateforme moi, welcome. Moi conseille à regarder vidéo qui était là avant yo, avant que ou regarder vidéo ça. Si vous êtes habitué dans plateforme dans tout, félicitations, good job, continuez avant. Jusqu'à ce que vous atteignez l'objectif qui est vin profitable sur market là, faire comme sur market là, vivre de market là. J'aime toujours dire nous les guys, ou pas jamais regretter une fois dans la vie ou côté fait choix pour apprendre trade. And then market là toujours là, market là gagne comme pour tout le monde. So, l'autre tombé sous vidéo, belle de l'acheter, pas hésiter partager ou avec une famille ou un ami, pas hésiter encourager une famille, un ami apprendre trade parce que market là assez grand, gain opportunité, gain cob, gain toute possibilité pour quel que soit mon nom réaliser quel que soit bagala à travers de market là. Dans dernière vidéo que m'te fait semaine passée, hein, m'te parlé nous de introduction dans futures market là. Mais moi t'ai essayé le plus clair que possible pour m'expliquer nous que raison qui fait que moi parler nous de futures market là, c'est pas parce que moi même personnellement moi abandonné forex market là. Loin de là, c'est pas ça lié. Ni c'est pas parce que tout, on moun que m'te gêta commencé à montrer trade forex, vin parler de futures market là, pral déranger nan quoi que ce soit. Non, réalité en c'est qui ça. Une fois pour toutes, nous voulons nous bien comprendre. De expliquer que gen en pile, que ce soit broker, que ce soit prop firm, qui gagne problème régularisation d'un moment, ça vient fait que en pile client cap vive aux États-Unis gagne problème pour joindre une plateforme, ok, ou bien un broker qui cap aider au trade dans market là plus bien et sans problème. Et qu'on y a là, majorité problème ça, c'est qui plateforme qui gagne yo, c'est plateforme CFD yo. Et nous connaît très bien que CFD sont bagaille qui interdit aux États-Unis. Ça veut dire que les vin ont c'est difficile pour un haïtien cap vivre aux États-Unis. Je n'ai une bonne plateforme, je n'ai un bon broker, je n'ai un bon propre firme pour le trade forex. Kounya la, pour qui raison moi vini avec idée futures market là. Moi vini avec idée futures market là, c'est parce que futures market là, gens que m'expliquer nous déjà, son market qui centralisé et qui régularisé par entité financière américaine yo normalement. Ça vient fait que quel que soit plateforme futures que vous utilisez pour trade, que le vle, que le pas vle, li obligé prendre data dans CME qui c'est Chicago Mercantile Exchange qui aux États-Unis. Ça veut dire que toute data moun sa a utilisé pour le trade sorti dans une entité qui est régularisée par autorité financière américaine yo. Moi personnellement, c'est forex que moi j'ai toujours compte montrer tout le monde et c'est forex m'a toujours montrer tout le monde trade. C'est dans forex moi fait toute carrière moi, c'est dans forex moi réalisé tout ça que moi réalisé dans la vie. So, moi pas gon l'autre market que moi pral focus pour montrer l'autre monde trade. Qui ça me voulait pour nous comprendre guys? Le montrer monde trade forex direct ou indirectement, moi montre trade presque tout l'autre market yo. Quel que soit analyse qu'on fait dans forex market là, ou pral ka fait même analyse ça pour trade dans futures market là. C'est comme si ou juste utiliser futures market là as a tools like platform yo, like broker yo et puis asset qui gagne disponible dans plateforme futures yo qu'on pral ka utiliser pour trade dans market là. Moi fait tirer aller ça, son façon pour essayer clarifier tout le monde qui a fait commentaire, monde qui a dit comme ça que et nous même qui États-Unis qui te gagne commencer à prendre trade forex qui sont là gagne nos coach qui sont voyer nous faire coach. Est-ce que nous même tout n'a pas trade futures market là? Oui, n'a pas trade futures market là, mais c'est une question de choix. Nous pas obligé trade futures market là à la minute que ou pas vivre aux États-Unis ou cap joindre toute qualité broker, même soit vivre aux États-Unis ou que doit toujours trade forex non broker qui pas régularisé par entité financière américaine yo. Sauf que le ça la petite crasse difficile ou faire transaction yo comme si avec crédit card avec banque comme ça tout tout gen gros moyen pour cap toujours utiliser forex broker qui bon low leverage yo, OK, tant que forex broker qui bon low leverage aux États-Unis qu'on cap utiliser qui régularisé normalement par entité financière américaine yo. Par exemple nous gen IG, nous gen Oenda, nous gen forex.com, nous gen TD Ameritrade plus un paquet l'autre etc que nous cap utiliser pour nos trades normalement qui régularisé par entité financière américaine.
américaine yo. Mais sauf que n'a attend nous que pour commencer trade avec broker ça yo ou un minimum pour gagner et minimum que me conseiller au monde pour gagner pour commencer trade dans broker ça yo c'est $2,000 que c'est pas tout le monde qui va le gagner pour commencer. Ça veut dire que yon moun ki pa vive aux États-Unis qui pas vraiment gen problème régularisation tout ça ou cap toujours utiliser même broker que me konn proposé nou yo ou cap toujours garder vidéo que me fait sous broker yo et puis à travers de vidéo ça yo pa cap choisir exactement selon qui pays ou vive selon qui côtoyer qui juridiction qui entité financière pour vérifier à travers de broker pour vous utiliser et vous juste utiliser broker sans problème ou trade forex sans problème ou faire comme vous faire bénéfice ou retirer comme vous ou déposer comme vous faire tout transaction sans aucun problème dans ma tête. Moi espérer après Timo ça yo n'a clair sur un dossier différence que n'a fait entre futur et forex. Forex market là c'est lui même que moi a toujours montré tout mon trade, c'est lui même que m'a toujours aidé tout le monde maîtriser futures market là tout yon moun ou vle maîtriser le tout aucun problème ou a utiliser même analyse et forex yo. Sauf que à l'avenir souvin gen besoin plus data si m vinn jwenn plus moun ki intéressé avec ça m ka fait plus vidéo à l'avenir mais m va le focus m'a plein de parler de futures nan plateforme Bell Dollar acheter hein. Non c'est pas ça lié à l'avenir nous dit à l'avenir si gagne en pile moun si m juge bon gen pile moun que ça intéressé m ka toujours continuer faire de l'autre vidéo sur futures market là but main goal là c'est toujours aider nous c'est toujours montrer nous trade dans forex market. Bon c'est que moi assez clair pour ti introduction ça. Dans vidéo nous aujourd'hui, hein, n'a fait un sorte d'introduction dans futures market là qui plus approfondi de ça que nous t'ai fait déjà. Introduction que n'a fait aujourd'hui, hein, c'est introduction au niveau de entry, exit, qui j'en pour calculer position sizing ou dans futures market là, qui j'en pour calculer risque dans futures market là. Ça va m'amuser plus dans introduction ça. Guys, nous allons aller directement dans le chat pour nous continuer à parler de futures market. Let's go. So guys, nous avons la deuxième partie dernière vidéo que nous avons fait sur futures market là. OK, dans la deuxième partie ça, nous allons continuer à parler de contract size yo et puis nous allons parler de risk management avec trade exécution. OK, nous connaissons dernière vidéo hein, bah le faire trop longue. Suite ça, son continuité à première vidéo hein. Prends son, prends temps pour garder vidéo ça. Pas courir sous vidéo. Hein. Prends temps pour bien garder pour qu'on comprenne tout ça que moi-même m'a expliqué dans vidéo ça. Et puis nous gagnons Emini par exemple. Nous gagnons Emini S&P 500 lui-même qui vaut $5. Ouais, $5 par pips. Bon, garder pour nous et bien rapide on garder ensemble. On garde ensemble. Ok, on garde ensemble. Ok, bon, ça, on va sous Bar Shot qui bat moins. Et asset qui trade plus. Ok, asset qui a plus volume yo. Dans futures market, là, on a moins. On a sous full. Ok, sous full list. Et ouais, ça c'est asset qui tue le plus dans futures market là par exemple là S&P et SM qui c'est mini S&P 500. OK, par exemple cliquer dans plus là mini futures cliquer sous lit mini information ouais point value c'est $50 tick size ouais tick size c'est 0.25 points. OK, ça ici c'est sorti dans 0.25 aller dans 0.50, c'est $12.5 par contrat. OK? And then nous gagne micro, on va connaître si au bon moins pour micro yo dans ça.
Et mes micros, je crois que micro et mini S&P 500 dans lui-même, c'est $5. Ok, ça c'est pour souvenir plus petit capital ou mon petit balance qui est plus petit pour s'élever trade dans futures market là. Et je crois lui-même c'est $5 par tick, ouais, $5 par pip, par point, ouais, $5 par point, je crois lui. Ok, en gros, c'est ça, guys, pour position et sizing. Yo. Ok, et soit ou même tout cas venir dans bar chart pour faire recherche ou. Ok, vous regardez sur futures market là, vous regardez recherche. Alors ça c'est si futures market là intéressé. Ok, toujours songez ça. Si que vous vivez dans le pays, pas aucun problème avec CFD, pas aucun problème. Ça veut dire que vous capturez CFD, sans aucun problème. Vidéo ça, vous devez toujours regarder en termes d'éducation. Parce que mon pas jamais fin connaît mon pas jamais fin apprendre mais et pas une obligation pour trade dans futures market là pas une obligation vraiment pour me simplifier formule que me souhaite faire pour nous. OK, pour m'essayer simplifier formule là plus et pour nous qui ça n'a fait donc contract size multiplié par dollar par point. OK, dollar par point multiplié par point. OK, point qui c'est quantité. OK, on va mettre quantité. OK, par quantité point. OK, par quantité créole qu'a parlé monsieur. Quantité point. OK, quantité point. OK, quantité point et puis résultat c'est à risque ou bien reward. OK, on dit que par exemple pour exemple trade que monsieur tout à l'heure nous gagne un contrat. OK, un contrat multiplié par $50 qui c'est valeur un point. OK, et puis multiplié par et par 10 points que market là move là. OK, multiplié par 10 points que market là move là et ça boy un total de $500. OK, $500 dans market là. OK, et kounya là pour même exemple hein, mais qu'on a essayé faire avec n'a fait avec micro. OK, pour micro et mini S N P 500. OK, n'a fait exemple là pour même si OK MES est égal. Après, c'est son professeur mathématique, mais non, c'est professeur mathématique et Haïti qui te connaît fait comme ça. Si MES est égal, OK, est égal à $5 par point. OK, MES qui c'est micro et mini S&P 500 égale $5 par point. Et puis, vous achetez deux contrats. Je vais tout écrire la créole net pour nous. Je vais tout écrire long pour nous. Et puis, vous achetez deux contrats. OK, vous achetez deux contrats. OK, vous achetez deux contrats. Then, market la move. 10 points. OK, 10 points. Ouais, tout à l'heure nous t'a parlé de $50 par point, kounya nous nan $5 par point. Ça veut dire que focus appliquer logique là pour bien comprendre ça. Faut comprendre ça, faut bien assimiler ça, amen. Et den market la move 10 points. OK? Formule là. 2 contrats, OK, multiplié par deux contrats multipliés par
dollar par point qui c'est 5 dollars par point multiplié par quantité point que market la move qui c'est 10 points là nous pral gagner calculatrice nous pral gagner deux contrats multiplié par 5, ok? Deux contrats multiplié par 5 multiplié par 10 égal à combien? Est égal à 100 dollars, ok? Ça veut dire que si vous trade avec micro et mini contrat, ok? Si vous trade avec micro et mini contrat, et puis camarade ou en aptitude avec yon et mini contrat li même qui pas micro nous entrer dans même position dans même le market la move 10 points pour nous deux monsieur a fait 500 dollars et puis ou même zanmim ou a fait 100 dollars OK très important IS move 1 point qui bon 50 dollars le wap trade avec micro ISO qui c'est micro et mini S&P 500 contrat yo market lan doit move 10 points pour le kabaw même quantité cob lan OK so pour market lan bon même quantité cob que ou k'ap fè nan yon point avec yon et mini contrat market lan supposé move 10 points, ok? Pour le cabot, même quantité cobble. Nous, je prends le soin, je fais une première partie vidéo, ouais, là, je fais une deuxième partie vidéo. C'est parce que moi, je voulais make sure que nous bien maîtriser ça, yo. Aussitôt que vous comprenez la formule ça, yo, que je fais avec nous là, vous avez gagné l'opportunité pour calculer le risk to reward. Yo. Pour quel que soit asset dans futures market là, il suffit que vous prenez le soin pour checker exchange ou bien broker que vous utilisez pour trade asset que vous voulez trade là, pour connaître qui valeur quantité dollar par point ou par tick que asset ça lui-même li vaut. OK? J'espère que moi assez clair. Moi espérer que nous bien comprendre tout ça que moi expliquer nous là. So nous fini avec position sizing et puis dollar par point, nous fini avec ça et penser que nous pral avancer avec risk management. Regardez côté m'a font classe et ma fond classe futures complet pour nous là complet humain barre ça n'a manqué non so vidéo titre vidéo même titre vidéo c'est exactement ça titre là dit en vidéo oui là OK parce que après vidéo ça il y a un monde supposé une possibilité pour trade dans futures market là et sans aucun problème. Il suffit que vous preniez le soin pour bien pratiquer et puis pour avancer. OK? So, risk management dans futures market là, qui ça voulait pour nous comprendre? Une bagaille qui pi important dans n'importe ça va faire, dans n'importe ça va investir. OK? Dans n'importe ça va investir, pas besoin qu'on ait stock, forex, futures, options, ETF, whatever. Ou bien ou trade whatever ça va trade là pour c'est un bon investisseur. Pour c'est un bon trader, li primordial pour maîtriser risk management. Li primordial pour gagner un bon risk management plan, pour un bon risk management système. C'est une bagaille pour bien maîtriser ou après dans n'importe business dans long terme et pour bien maîtriser risk management. OK? Risk management dans futures market là. C'est qui ça?
c'est premier bagage que nous allons essayer de faire. C'est toujours même petit calcul. Contract size. Ok. Contract size. Multiplié par dollar. Ok. Gardez plutôt mes dollars là pour nous. Nous avons dollar. Ok. Dollar par point. Multiplié par point value. Ok, multiplié par point qui c'est quantité. Ok, bah j'ai oublié formule là. Si formule ça regarde, préfère marquer l'autre côté ou pas oublier qui c'est quantité point. Ok, et puis distance que vous pral mettez stop loss ou un à déterminer combien de coups vous risquez dans chaque trade. Ok, par exemple, moi-même personnellement, je toujours conseille à un monde qui a trade minimum prend trade qui gagne et potentiel 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Ok, l'homme dit 1, 2, 3. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pour chaque 1 dollar que vous risquez dans le market là, c'est pour faire 3 dollars. Pour chaque 100 dollars que vous risquez dans le market là, c'est pour faire 300 dollars. 1, 2, 3, c'est risque là. Ça veut dire que le vous trade dans le market là, vous êtes supposé toujours prendre trade là minimum. Lorsque vous trade qui c'est 10 points stop loss, ok, vous avez un reward qui minimum 30 points Tipeee qui c'est take profit. Ok, et une façon qu'on peut contrôler les risques puis bien dans futures market là, c'est bien manage contract size, yo, comme tu dis nous avant, qui très important. Ok, par une façon bien spécifique, même genre avec forex market là, on t'a qu'on l'autre size calculé donc me gagne dans téléphone moi me gagne tout côté. Et qui pour tout bas ou pourcentage, qui pour tout bas ou l'autre size, tout ça. Mais ça va empêcher, il y a plusieurs autres outils et que moi trouvé qui intéressant que nous avons utilisé. Je vais quitter le lien pour nous. Par exemple, moi gagne. Par exemple, moi gagne. Outils ça. Ok, qui c'est Android Insider Week. Moi je cite ça, m'a puis partager là avec nous. OK, n'a pas que yo gagne un calculateur là qu'on peut utiliser. Et tant que par exemple, ou ka be editer, tant que par exemple si vous achetez et tant qu'on dit que ou long, ça veut dire que vous achetez si vous achetez S&P 500 là dans prix par exemple on dit que entry price ou c'est 5300 ou acheter S&P 500 dans 5300 et puis ou bon take profit ou dit que et ou voulez acheter dans 5300 pour market nan ka arrive nan 5330 et puis ou bon stop loss qui 4990. Une façon pour nous respecter 1 2 3. Ouais profit 1 2 3. 1 2 3 yes. 1 2 3 yes. 1 2 3. OK, profit 1 2 3. Est-ce que nous ouais? Un trade comme ça. OK, un trade comme ça. Ou a fait, nous a fait de 930 points avec un grand contrat seulement. 930 points que market dans move va faire 46500 dollars, 310 points que market dans move, OK, va perdre 15500 dollars. OK, parce que ou gagne un stop loss qui ou gagne un stop loss qui yes 310 points stop loss, OK, va perdre 15500 dollars. Toujours avec même valeur, OK, même valeur qui c'est 50 dollars par point. Ça veut dire que si n'a pas parlé de 50 dollars par point et puis market là move 310 points
contour, ok, 310 multiplié par 50 est égal à 15 500 $. Ou fait 930 pips profit ou 930 pips profit multiplié par 50 46 500 $. Bon, ça c'est pour gros portfolio, gros account, ça va pour petit account ou même pour job qui fait commencer, c'est juste un exemple, ok? Si application ça nous cap utiliser li pour nous calculer l'autre size. Bon, si vous cap utiliser formule que m'ba ou an, pour faire manuellement avec calculatrice ou li way better, li plus safe toujours, ok? Moi toujours conseiller tout le monde le opt dans futures market là pas jamais quitter et toujours quitter stop loss ou varier entre 5 OK entre 5 à 50 points selon qui target que vous gagne. Par exemple, si d'après analyse qu'on fait dans market là, on dit que par exemple opt avec supply and demand, OK, on dit que là ou bon zone dimen que au tracé là, OK, soit peut-être market là pour retourner dans zone dimen là pour le bon réaction pour acheter market là, OK, ou utiliser longue position ou gain point d'entrée là qui là et puis on dit que ou gain ouais là on va regarder et puis voilà stop 18 ouais 16 14 12 OK, on dit que mon on stop loss qui 10 points et puis mon target par exemple en l'air là qui 70 points. OK? 70 points. So là, on trade comme ça, on va restore reward qui 1 to 7. 1 to 7. Ça veut dire que moi risqué 10 points pour me faire 70 points. Si je veux calculer combien cop m'a fait si m'entrer dans trade comme ça avec un grain contrat, c'est qui ça? C'est $50 par point. So 10 points stop loss c'est 50 multiplié par 10 points stop loss là. So moi risqué $500 dans trade ça. Kounya là si me fait 70 points target là qui c'est take profit là multiplié par 50 m'a fait $3500. Ça veut dire que moi risqué $500 pour me faire $3500. Ça son good trade pour yon moun prend dans market là. But nous, c'est même stratégie que moi utiliser le map trade forex que me prend pour me placer trade ça. Et ça si me passe puis devant m'a fait des autres vidéos m'a continuer faire des autres vidéos sur forex market là que m'a toujours continuer faire. Et ceci n'a pas utiliser même vidéo que me fait sur forex market là pour aider nous analyser futures market là puis bien. OK? Pour nous essayer comprendre puis bien, OK? Pour nous essayer comprendre puis bien. Par exemple, nous est que le m risqué 10 points, OK, m risqué 10 points. M risqué 10 points et nous est que dans 10 points que m risqué m'a perdu une affaire de $500 si market la descend dans stop loss moyen. OK, m'a perdu $500. Mais kounya là qui j'aime ta faire plus cob avec trade ça. So on dit que au lieu de 10 points stop loss, moi vinn gon stop loss qui égal à 5 points. Pendant toujours gain même target là. OK, on dit que mon stop loss qui égal à 5 points. OK? So si kounya là mon stop loss qui égal à 5 points. OK? 5 points avec $50. $50 par point, 50 multiplié par 5, li ban moi on a fait de $250. Et puis on dit que c'est $500 que me voulez risquer. Eh bien, dans cas ça, trade ça, m'a pas rentrer la donne avec un grain contrat. M'a pas rentrer la donne avec deux contrats. Kounya la deux contrats qui vinn ban moi yon affaire de 50 pour chaque $100 par point. OK, le multiplier $100 par point. OK, $100 par point multiplié par 5 li ban moi $500. Ça veut dire que moi risqué même $500 pour me gagner même target là qui en l'air c'est 70. Kounya la, le multiplié $100 par 70, li ban mwen yon profit de $7000. Pa dam toujou risqué même $500.
OK, même fait plus court parce que mon gros stop loss qui pipiti. OK? Et je pense que ça c'est plus bon introduction, plus bon premier formation que un monde cap gagner sur futures market là, qui pourrait do comprendre tout ça qui est essentiel que on a besoin pour commencer trade dans futures market là. Nous gagner exécution qui est vraiment important parce que faut qu'on ait qui gens pour exécuter trade là dans futures market là. OK, exécution. OK, exécution. OK, on dit que nous gagnons trade exécution. OK, parfait. Pour trade exécution, dans trading view là même, OK, dans trading view là même, gagner et option pour trade exactement directement dans trading view. Donc quoi l'homme vient là, moi fais open panel. Là, mon jeune broker, on peut regarder tout l'autre broker. OK, IC Market c'est broker Forex Pam. Interactive Broker c'est broker que moi utiliser moi personnellement, que ce soit pour futures, pour stock, m'acheter stock, et c'est broker ça tout moi fait pile gros investissement là-dedans parce que même yo bon yon assurance son investissement yo qui presque me coûte presque à 1 million de dollars. Donc ça veut dire que n'importe ça que tu as passé dans le mode finance là, Interactive Broker garantit 1 million de dollars safe la Kylie. OK, and then tout ça c'est broker qui gagne lien direct avec TradingView. Tradovet qui vraiment un broker qui intéressant pour futures market là. Nous gagne Imp Futures qui vraiment intéressant. OK, so c'est login que broker là pral ba ou hein. Yes, login que broker là pral ba ou, on va juste cliquer là sous broker là et puis on va rentrer login là et puis là fin entrer login là on va gagner accès directement. Et si vous pas gain ça activé, on va faire right click et puis on aller dans settings, on va activer buy avec sell et bouton là. Ouais, le moins retirer là, il désactiver, le mettre il activer. So comme market là fermé dans moment là, nous pas capable regarder et ensemble. Bon rouge là, c'est pour l'op sell, bleu hein, ou bien vert, il y en a pas là, c'est pour l'op acheter. Et puis mi-temps, c'est quantité, OK, c'est quantité point que vous avez acheté dans market là. OK, ça c'est pour exécution. Mais il y a plusieurs autres plateformes qu'on peut utiliser tout qui pour faire exécution dans futures market là, plusieurs autres plateformes. Tant que moi-même personnellement, moi j'ai une plateforme que moi utiliser en pile, m'a partagé là avec nous, c'est Atas. OK, et son plateforme qui payant, but il vraiment performant et vraiment puissant quand il s'agit de futures market là. OK, Gatas, Quantal. Alors ça c'est plateforme que moi-même moi j'ai expérience avec yo personnellement. OK, dans dernière vidéo que m'était fait, m'était présenté nous toute plateforme que me connaît. OK, mais ça yo même c'est plateforme que moi j'ai expérience personnelle avec yo. OK, j'ai Quantower. Et puis j'ai Motive Wave que moi utiliser tout qui très intéressant pour broker pour nous faire exécution dans futures market là. Et un broker que moi j'ai expérience avec yo, OK, broker que j'ai expérience avec yo, c'est Interactive Broker que j'ai expérience avec lui. Son broker m'a utilisé depuis 2017 je crois, yes, Interactive Broker. Et puis nous gagnons Optimus c'est futures. Après ça nous gagnons Edge Clear. OK, nous gagnons Edge Clear, yes, Edge Clear qui sont bons brokers. Et puis nous gagnons AMP, OK, AMP futures. OK, pour citer ça seulement, guys, c'est avec ça que moi-même j'ai expérience personnelle. OK, so moi pensé avec
deux vidéos ça yo, ok, je pense avec deux vidéos ça yo, finalement pour commencer quand tu es dans futures market là, je pense que moi aider ou l'ouvrir pour comprendre plus bagaille sur futures market là, et ceci à partir de ça yo, ou avancer plus près objectif ou jusqu'à ce que vous commencez à faire quoi dans market là, sans aucun problème, ok. So continuez à faire l'eau belle de l'acheter tout côté, et puis pas oublier continuer share vidéo ça, continuer apprendre, ok, apprendre pour capable maîtriser tout ça qui est important pour connaître dans market là, et puis pour cap venir profiter vos traders, un professionnel trader, sans aucun problème, ok. Moi pense que vidéo ça aide ou comprendre futures market là pi bien une fois pour toutes, et pense tout à travers de vidéo ça ou cap gagner yon pi bon idée, ou cap gagner pi bon jan habilité nan futures et market là. J'ai que m'habitué dit nous les guys, la vie est belle, comme si vie c'est pas seulement comme si lever al travail font pas ton plaisir. Non, tout le monde a un début. OK, côté mieux jodi, c'est pas comme ça m'était débuté, c'est pas comme ça m'était commencé. OK, Jeff Bezos, Elon Musk, tout les gens qui plein l'argent, c'est pas Jean Royer Jodian que vous avez débuté, OK? Vous devez toujours débuter dans travail pour patron, vous devez toujours débuter dans série de bagages. Mais pendant débuter là-dedans, il faut que vous ayez un objectif, OK? Faut qu'on objectif c'est qui ça? Pour connait que moi commencer dans point ça Jodian, bon point ça que me commencer, me pas fait telle période dans vie dans même position, OK? Et pour fixer genre de objectif ça sur la vie, me garantir que de jour en jour, on va essayer améliorer tête ou chaque jour fait fort and then on finit par quitter ça majorité masse là à faire, et puis au même on différencier tête ou normalement, and then on cap vivre best life ou voyager dans pays où vle l'ovle jonvle pas aucun stress, comme si au niveau financier vraiment on cap vivre toute vie rêve ou sans aucun problème. Bon grain bagarre au besoin focus, OK, au besoin prend trading au sérieux pour cap avancer et faire succès dans market là. J'aime toujours dire nous les guys, pas un secret dans fait cola, rester focus, rester connecté avec moi tout côté pour nous cap toujours apprendre tout ça qui gain rapport avec trading qui cap aider nous avancer sans aucun problème. Moi gagne un nouveau mentorship qui a commencé en mois de juillet là, qui a venu là. Nous cap toujours écrit dans le numéro qui gagne en bas description vidéo, et puis n'a pour numéro en cap passer dans écran là tout. Écrit dans numéro ça pour nous cap gagne plus information sur mentorship là, pour nous cap connaître qui gens ça y est, qui le exact que l'a commencé, qui condition pour rentrer dans mentorship ça, et puis pour nous cap avancer sans aucun problème guys. Restez safe tout le monde, la vie est belle. Ciao, one love, n'a pas dans une prochaine vidéo. Ciao.